kauno ndakusishindwa tsina chikuriwa chawe wishi wa babu yaziye wari baba na uriturasha uritoganasha na ukwatsonyisha kwa umyeni lawana. On est le matin, je vais chez ma tante, j'ai envie de manger un petit déjeuner, mais j'ai la flemme. Ado a dit qu'il va me faire monter. Oh, c'est blanc hein, le thé là. C'est chaud. Ce matin, je vais manger du riz. Aujourd'hui, on va à Monsaraka, à Sada. Je ne sais pas du tout qui va se marier parce que vous savez, à Mayotte, la plupart des fois, on ne sait même pas qui se marie. Mais là, on m'a attrapé pour le callback pour y aller. Je ne sais même pas qui est la mariée, je ne sais même pas qui est le marié non plus. Et là, on va fouiller dans l'armoire de nos mamans pour aller chercher nos salouvas parce que, oui, nous ne possédons pas de salouvas en Big 2024. Je fouille encore les affaires de ma mère pour trouver les salouvas. Et là, on va fouiller dans l'armoire de nos parents pour aller chercher nos salouvas. On ne possède pas de salouvas. Même moi. Je vais m'habiller comme ça. Parle fort, un tout bien. Bonjour, je vais m'habiller comme ça. Je vais mettre ça parce que je n'ai pas trouvé mon body. Avec ça, avec les deux châles. Présente les couleurs. Ça, c'est rouge. Tout ça c'est rouge. Alors moi de mon côté je vais porter un salouva bleu qui se présente comme ceci, un bleu clair avec du bleu foncé et un peu de rose. Ensuite je vais mettre avec un body blanc parce que c'est le seul body que j'ai. Je vais porter avec mon voile bleu qui est quasiment de la même couleur que le salouva. J'oublie pas non plus de mettre le grand voile. Et je vais porter les talons que j'ai achetés au marché, si vous avez suivi le premier vlog Monsaraka à Petite Terre. Et avec une serre-tête. Ils viennent d'arriver, ils ont ramené des pizzas. Oui, en tout, on va manger. Nous avons quelque chose. Alors ce jour-là, c'est moi qui ai conduit la voiture de ma mère. Il a fallu se battre avec elle pour qu'elle me laisse enfin les clés. Parce que oui, je suis encore une apprentie du volant et j'ai eu mon permis il y a seulement 2 mois. Ici, nous avons encore ma petite cousine Jade qui est en train de me filmer. Mais comme vous pouvez le constater, c'est complètement flou. Alors, c'est moi qui suis au volant aujourd'hui. Je suis hyper contente parce que j'ai volé la voiture à ma mère. Non, je rigole, elle est juste à côté. Mais voilà, on est à Sada et il y a des embouteillages de partout. À ce moment-là, nous venions d'arriver à Sada et j'ai beaucoup aimé le fait que le mariage se déroule en face de la mer. C'était tout simplement magnifique, car oui, j'aime beaucoup la mer. Il y a la musique de Silly qui est à fond juste à côté. Désolée pour mes yeux, j'arrive pas à supporter le soleil. Et en fait, juste en face, on a les côtiers pour l'homme. Ils vont venir manger ici, mais ce ne sont pas les voiles haroussis, ce sont juste des invités simples hommes qui vont manger là. Contrairement aux femmes, les hommes, eux, ne mangent jamais par terre sur le sol. Eux, de leur côté, mangent sur la table et ils ne dépensent jamais autant d'argent que les femmes. Ils mangent, puis repartent seulement avec leur petit sac de gâteau. Quel privilège! Moi non plus, je n'aime pas vraiment dépenser de l'argent. De l'autre côté, les femmes, c'est toute une autre histoire. D'abord, elles ont un avantage de manger beaucoup plus que les hommes. Si tu vas à un mariage, tu nourris toute ta famille pendant 5 jours. Tu ressors avec environ 5 à 7 cajots de boissons et de barquettes de plats en tout genre. De plus, il y a beaucoup plus d'ambiance, les femmes s'amusent, chantent et dansent, crient tout ce que tu veux, même il y en a qui ont le magic. Mais il y a toujours un mais. Elles dépensent parfois des sommes astronomiques pour satisfaire la famille de la mariée. Pour chaque groupe, on peut payer jusqu'à 500 euros minimum. Il n'y a même pas de maximum, la somme peut aller jusqu'à plus de 5000 euros. La vallée des bonnes arousses, il faut aller là-haut.
Après une longue attente, malgré qu'il était déjà 15h, nous n'avons toujours pas mangé. Alors nous avons décidé d'aller nous balader à la plage, Faina, Jade et moi. Ça, c'est ça, vivre sur une île qui est à la mer alors qu'il y a un mariage à côté. Wouhou ! Il y a le mont Chikoni juste en face. Alors aujourd'hui, comme vous le constatez, nous ne sommes que 4. Il y a Faina, Jade, moi et ma tante. Oui, elle s'appelle Jade et Antoulia, c'est pour ça à chaque fois on change son prénom. Elle a deux prénoms, c'est pour ça. Et on est en attente, sachant qu'il est 15h. Il est 15h et quelques, on n'a toujours pas mangé. On attend, je ne sais pas ce qu'on attend. Peut-être qu'on attend le défilé. Et en fait, moi, ce qui me saoule avec les mansarakas d'aujourd'hui, c'est qu'il est 15h et on ne mange toujours pas. Et à chaque mariage où je suis partie, les gens ne mangeaient toujours pas à 15h. Je me souviens, au début des mariages, tout le monde mangeait à midi. Et maintenant, tout le monde mange à 16h. Et du coup, ça, c'est ce que je pourrais reprocher. Alors, Antou, tu es impatiente? Pourquoi, ma chérie? Je veux manger. À chaque fois qu'on assiste à un mansaraka, souvent on reçoit des cadeaux de la part de la famille de la mariée. Pour notre cas, nous avons eu un éventail blanc, doré. Nous avons aussi eu des crayons pour les yeux. Et enfin, une sorte de tasbih électronique. Tu l'utilises pour compter ton dhikr quand tu fais Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Moi, j'ai choisi de prendre le petit objet pour faire le dhikr. Et Faina a choisi de prendre les crayons pour les yeux. À ce moment-là, tout le monde s'était déjà installé pour manger confortablement par terre. À vrai dire, moi et Jade, c'est tout ce qu'on attendait. C'était même le but de notre venue à ce mariage. J'espère que c'est bon. On a bu un jus à l'ananas. Je pense aussi à la mangue. Je ne sais pas du tout quel est le contenu de ce jus. Ensuite, comme d'habitude, nous mangeons de la salade et on ajoute à cela de... Et on le mange toujours avec du pilao. Le pilao est l'un de mes plats préférés à Mayotte. Et à chaque fois que je vais à Mansaraka, je mange ça. J'ai aussi goûté à des goula goula. J'étais déçue parce que je pensais qu'il y avait de la viande à l'intérieur. Et en fait, cette sauce-là, je pensais que c'était de la sauce qui était salée. Mais en fait, c'est une sauce sucrée. Ça m'a vraiment pas plu. Et ensuite, il y a eu des box où il y avait des mini burgers et autre chose. Comme je vous l'avais informé précédemment dans la vidéo, j'avais dit que lorsque tu vas à Mansaraka, tu nourris toute ta famille et c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Nous étions en train d'embarquer toutes les barquettes de plats en tout genre dans nos sacs pour les ramener à la maison et pour ne pas cuisiner pendant 2-3 jours, voire peut-être 5 jours masque maximum. Oh,
comme je ne supporte pas vraiment le bruit et la musique, j'ai préféré m'éloigner du chapiteau du Masaraka et partir admirer la création du Tout-Puissant. Et toute la nourriture qu'on a ramenée depuis le Manzaraka, parce que le Manzaraka ne sert pas non plus à participer à un mariage, mais c'est aussi un moyen pour se nourrir en famille. Là, on est deux familles à avoir participé, et là, nous allons partager tout ça en famille. Si vous n'avez pas fait des courses à la maison, avez participé à un Manzaraka, vous allez avoir beaucoup de nourriture pour partager avec toute votre famille, surtout. Mais bon. Déjà pour aller dans les Manzaraka, il faut au moins avoir retiré 50 euros. Franchement, les Manzaraka, ça me fatigue. Bismillah, je vous mange deux fruits. Je regarde, la plus grosse, c'est la mienne. Tiens, je suis fatiguée. La journée a été longue. Les Manzaraka sont épuisants. C'est encore pire si tu filmes. Mais je crois même parce que j'ai revu une personne que je n'ai pas vue depuis très longtemps, avec qui je parle que sur les réseaux sociaux, mais que je ne vois pas dans la vraie vie. Franchement, ce que je reproche aux gens qui font les mariages aujourd'hui, désormais les Manzaraka, ils commencent à 16h. Maintenant, on mange à 16h. Je me souviens qu'avant, tu mangeais à midi, c'était fini. Les hommes, ils faisaient des défilés depuis 11h jusqu'à midi max, 13h. Mais on mangeait à partir de là. Mais je comprends très bien que le Manzaraka, c'est un travail qui est énorme. C'est un travail qui ne peut pas se faire seul. Où tu as besoin d'organisation, tu as besoin d'une équipe qui se charge de chaque travail. Voilà, bref, c'est la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur mon compte Instagram, à me poser des questions là-bas, c'est là-bas où je parle. Et bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Marie-Lise. Auri ya tushisiwa ya furaha, tasuku wa sikartu hudila, uzuri wa ya rufu ya fulira, ruhuni ha-